Salut à tous les amis, c'est Emy. On se retrouve aujourd'hui sur SimCity. Je crois qu'il y a un arbre qui a poussé dans mon tunnel. Ah non, c'est un effet d'optique, il n'y a rien dans le tunnel. Le tunnel n'a pas été modélisé pour économiser des ressources. Alors on se retrouve sur Bassin de Mec, je n'ai pas renommé la dernière fois que je voulais appeler. Hop, électrique. Cité. Voilà, on va la renommer directement. Alors j'ai plein de bâtiments qui se construisent, du coup j'ai des petits problèmes d'impôts. J'étais obligé d'augmenter, voilà, si je passe à plus 137. Ces bâtiments étaient en train de se reconvertir, de se construire. Du coup, bah bam, d'un coup j'ai perdu plein de revenus. C'est un peu le problème hein, de ce jeu, hein, parfois quand vous êtes limite au niveau du budget. Là c'est pareil, j'avais une grosse entreprise qui est en train de se construire, du coup paf, perte de revenus également. Ici on commence à avoir suffisamment de matière recyclable. Pour l'instant il me semble que je m'en débarrasse. Hein. Ouais, j'exporte tout ça. Donc c'est pas mal. On vend du charbon, etc. Donc, bon, y a pas de problème. Voilà, je suis passé à un chiffre qui me plaît un petit peu plus. Je vais pouvoir réactiver ça. Voilà, que j'avais désactivé tout à l'heure. À cause de ces constructions, quand ça se sera construit, on pourra réactiver le reste. Aujourd'hui, le but, ça va être de mettre en place un système de transport. Parce que là, ça devient un petit peu l'anarchie. Dans cette ville. Donc il va nous falloir des transports. Il va nous falloir des transports. L'université, on va pas s'en occuper. Ah si, on peut l'améliorer. Voilà, super. Ce qui fait que je... Oh, pardon. Construire, pas encore. Ouais. Faut que je fasse gaffe à mon budget. En même temps, on a les ventes hein, de charbon, d'alliage, qui vont nous rapporter aussi le plastique. Il me semble, voilà, on collecte tout ça. Ça tourne, je sais pas combien on produit par jour. On n'avait pas encore suffisamment pour se lancer vraiment dans les processeurs avec uniquement le recyclage. De toute façon, on ne pourra pas se lancer dans les processeurs uniquement avec le recyclage, hein, c'est clair et net. Mais hop, je veux juste faire ça et lancer école d'ingénieur. Alors attendez que je vois ce qui m'intéresse. C'est axe vertical, école de sciences. Ce qui m'intéresse, c'est école d'ingénieur. En premier. Alors, attendez. On va d'abord faire l'école d'ingé. Oh, j'aime pas tellement ça. $773 par heure. Il faut que je rembourse ces prêts absolument. C'est ça qui me fout dans le caca à chaque fois. Hop, on va augmenter les impôts des pauvres. Toujours une bonne solution à augmenter les impôts des pauvres. Là, ça commence à devenir un peu chaud, hein. 38 000 habitants. Faut que je vais créer plus de. Attends, créer plus de zones, c'est pas forcément la solution miracle. Donné que j'ai déjà pas mal de problèmes de circulation. On va faire ça comme ça. Créer une petite zone ici. Hop. D'ailleurs, on pourra la faire remonter voilà, par ici. Impossible de couper cette route. Bon, on verra bien ça plus tard. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit plus rien. Ça devait pas être important. Ça ne devait pas être très 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 important. Je vais continuer ce que je suis en train de faire. Hop.
Voilà. Fais-nous des habitations. Là, on a un bâtiment abandonné qui va pas le rester longtemps. On a un autre par ici, voilà. Priorité système de bus aussi, projet de développement. Alors, tac, 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 que je recherche, centrale solaire. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Est-ce que je peux rembourser mes prêts? Est-ce que je peux rembourser mes prêts? Je peux rembourser celui-ci. Hop là, accepter. Voilà. Je rembourse tous mes prêts avant de me lancer dans un autre gros projet de développement parce qu'on va faire, on va avoir ça qui va coûter très cher. Il y a aussi ce qui pèse notre budget aujourd'hui, c'est l'éducation, énormément. Et l'élimination des ordures. L'élimination des ordures, on en récupère une partie ici parce que on vend du plastique pour 21 000, on vend de l'alliage pour 37 000. Alors pas beaucoup, effectivement, mais on en vend quand même. Donc ça, c'est pas mal. Hop, je vais aller mettre des arrêts pour les éduquer, ces gens. Je vais mettre ça aussi dans la ville. Ça peut être utile, étant donné que je vais avoir des bâtiments qui coûtent très très cher. Je vous rappelle, hein, c'est un truc d'assurance. Je vais le mettre ici, voilà. Qui nous permet de récupérer de l'argent en cas de catastrophe. Récupérer par exemple 50% de la couverture, je peux mettre plus, hein, je peux mettre 70%, mais du coup ça me coûte cher. Ça me coûte plus cher, bien évidemment. Là, ça me coûte que 5 000 par mois, ce que je peux me permettre. Ça me fait que une livraison de charbon, hein, pour rappel. D'ailleurs, ma mine de charbon, ouais, là c'est avec Omega Corp. Alors qu'on va pas implanter pour le moment, on va d'abord fabriquer des ordinateurs avant d'essayer de se projeter dans le futur. Ce sera plus logique. On va essayer de se la jouer un petit peu RP, hein. Pourquoi pas. Hop. Est-ce que je peux faire quelque chose de sympa? Oh! Là, vous avez pas intérêt à. Je vais vous montrer l'angle parce que ça me semble. L'angle là. Eh, en même temps, c'est sympa. On peut creuser un canyon quoi dans le machin. Non, on va pas faire ça. Aucun moyen de le faire comme ça. Est-ce que je peux le faire peut-être en serpentant un petit peu? C'est cool, ça me plaît. Et après, hop, faire une grande, voilà. C'est rigolo, c'est mignon, c'est croquignolet, tout ce que vous voulez. Bon, on regagne pas mal de fric là, c'est cool. Je vais rembourser mon deuxième prêt, voilà, 44 000. Accepté, c'est cool. On gagne surtout du fric. Grâce à nos exportations. Alors, système de bus. Autre priorité dans cette ville. Un bus, c'est ça, dépôt de navette. Voilà. Je vais mettre des parkings. Ici, je vais en mettre un autre. Ici, un à l'entrée de la ville. Et un autre peut-être par là, voilà. Et pour le reste, bon, on va mettre des arrêts tout simplement, voilà, tac 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 tac, un petit peu partout. De toute façon, on a besoin de transport partout puisqu'on n'a pas de riches, donc pas besoin de faire attention à où est-ce qu'on les met particulièrement. Elle est en construction depuis longtemps celle-là. Hein. Ça prend un temps fou à construire ces grandes usines technologiques. Dépôt de navette, ouais, il n'aime pas trop le dépôt de navette. Mais j'en ai rien à foutre, moi.
J'en ai rien à foutre. Bon, l'électronique, hein, je vous rappelle, c'est toujours le but au final. Ça va me poser problème en fait. C'est mignon et c'est croquignolé, mais on va pas la faire en courbe comme ça. Parce qu'elle va poser problème de place. Donc on va plutôt la faire, hop, droite en fait. Même si ce sera moins joli. Et que Glaxbox a totalement merdé la... Ok, tu décides de totalement merder le truc. Pourquoi? Explique-moi la raison de ce fail. Ouais, là ça a l'air moins merdé. Ouais. Bâtiment abandonné, où est-ce qu'ils sont tes bâtiments abandonnés? Ouh, ici et là, ok. Pour le reste, ça a l'air de tourner. Nous sommes malades. Complètement malades. Oh oui! Ils sont grave malades. Est-ce que je peux me permettre. J'ai pas de clinique dans cette ville. Hein. Y a pas quelqu'un qui fournit des ambulances normalement. Et ils sont deux à me fournir des ambulances. Il y a 5 ambulances normalement, ça doit être largement suffisant. Interaction entre les villes. Là, j'en ai aucune. Écoutez, hop. On va être obligé de se mettre une petite clinique. Hop là. Problème de santé considérable. Hop, je vais rajouter des ambulances. Ainsi que... Voilà, hop. Ça devrait suffire. Pff, problème de bouchon considérable aussi. Hop, ça va fluidifier un petit peu. Ah, regardez, vous voyez, justement, bah là, mon bâtiment va m'être utile. J'ai bien fait de le placer. Je sais pas où est le tremblement de terre, on va essayer de le voir. Où est-il? Tout le coup, il va se passer là, tu vois. Où... Ah non, il est là-bas. Ah, ma super usine. Qui n'est pas morte. Ok, super. Elle a été construite. Tu m'as l'air un petit peu bloqué, hein, mais un petit peu keblo l'ambulance. Projet de développement, ça coûte combien? Ce truc, génération 175 000. Ok. Ok, c'est cher, c'est cher. Même en m'endettant, j'aurais pas de quoi. Ah mince, le grand chantier il est de l'autre côté, il est sur les autres villes, on pourra pas le faire. En tout cas pas avec ces trois villes-là, bon c'est pas très grave. Pour le moment, on en est encore loin de toute façon. Quand on voit les ressources et la galère qu'on a déjà ici. Je finis par devoir me payer un hôpital quoi, tout simplement dans cette ville. Pour les pompiers, ça a l'air de passer. Un problème, c'est que si j'ai des problèmes de bouchons comme ça sur l'autoroute, ça va me passer de moins en moins. Normalement, on devrait s'en sortir, hein, malgré tout. Au niveau de l'eau, justement, on en est où? Ouais, ça passe. Ça passe! Bon, c'est cool ça au moins. Un truc qui fonctionne bien. Le lycée, c'est bon. Bon. L'école, alors, l'usine d'ordinateur, ça coûte combien déjà? Attention.
160 000. Combien on produit? J'aimerais bien savoir, ça c'est dommage, ça manque. Matières recyclables, on en produit combien au total? Combien on en ramasse des matières recyclables? Oh, ça commence à être intéressant. Je vais essayer de prendre, voilà, une obligation, on va se réendetter un coup. Pam! Voilà, 160 000. On a tout juste de quoi lancer notre usine de processeurs. C'était quand même le but. Hein, aujourd'hui. On va la mettre juste à côté. Tout simplement. Et on va. On va ça. Alors, toujours exporter le charbon. On va utiliser localement notre plastique et notre alliage. Voilà. Pour fabriquer des processeurs. Du coup, on va. On va éditer ça. On va se débarrasser des marchandises qui, de toute façon, sont consommées. Étant donné la taille de notre ville, elles sont consommées instantanément. On n'a pas besoin de les stocker. Et je vais par contre me mettre un stockage de processeurs, voilà. Ce qui va me permettre d'aller hop et de les exporter. 72 000 au lieu de cumuler, ça faisait 20 000 et 38 000, c'est-à-dire 58 000, 60 000. Donc là, on va gagner 12 000 de plus par caisse produite. Donc c'est aussi bien. Normalement, on devrait pas tarder à être, ça devrait pas être, ça devrait pas tarder à être livré. Allez, allez, au pire, je créerai un autre, enfin, je vous montrerai autre chose, peut-être une technique qu'on peut faire aussi pour équilibrer un petit peu, avoir un autre entrepôt commercial où là, on va importer des matières. Donc on aura un entrepôt pour le stockage des matières qu'on produit, un autre où on va importer des matières, ça va servir quand on aura, par exemple comme là, une pénurie pour que l'on ne soit pas justement trop pénalisé et que la production soit pas trop ralentie au final. Gros bouchon là par ici quoi. Gros bouchon. J'aimerais bien commencer la production là aujourd'hui. On va mettre un deuxième camion de transport, même si je pense que là c'est surtout hop, camion de transport de matières recyclables. On va rajouter. Hop. Pas assez de simflouze, voilà, effectivement. On ramasse toutes nos poubelles, ça c'est plutôt cool. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais en envoyer un petit peu plus à mes voisins. Ramassage des ordures. Hop, je vais en envoyer aussi ici, tout simplement. Non. Voilà. Ah, il y en a déjà 5 qui partent là, il y en a 2 qui partent là-bas, donc je vais en envoyer 2 là-bas. C'est les flèches qui buguent, hein. Et évidemment. Ce serait trop beau sinon. Voilà, et là normalement. Non, ça tourne pas. Allez, tourne. Ça va tourner, hein. On a confiance. Voilà, là ils sont en train de ramasser les trucs, eux. Donc eux ils vont se mettre en route aussi. Voilà, on les voit qui partent un petit peu partout. J'aurais dû les mettre peut-être plus proche de la sortie de la ville. Parce que là, ils se retrouvent bloqués dans les bouchons, vous voyez. Ça va être un problème auquel j'avais pas pensé, de là, en les mettant si loin. Déjà, on va augmenter la densité de tout ça. Hop.
On a plus de sous. On a plus une thune. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on produise assez vite du plastique et tout ça pour pouvoir le vendre. Parce que c'est une grosse partie de nos revenus quand même. Le charbon, là, ça suffit largement plus. Hein. Soyons honnêtes. Donc, ils en sont où mes déchiqueteurs? Ouais, ils sont bloqués dans les bouchons. La ville est relativement fluide, hein. Vous voyez, il y a pire, mais ça m'handicape quand même. 40 000, ouais. Là, du coup, on gagne moins. Je vois pourquoi le plastique, il y a pourtant, ils attendent d'avoir 1000 caisses peut-être, c'est ça. Ouais, il faut 1000 caisses pour que ce soit transporté. Donc c'est vrai parce que le plastique il est juste à côté, mais ils attendent d'avoir 1000 caisses en fait pour pouvoir le transporter. Voilà, ça va se mettre en route assez rapidement, vous allez voir. Bon, je pense pas qu'on arrivera à la faire tourner en continu. Mais on réussira à la faire tourner malgré tout. Plus les villes vont grandir, plus il y aura de matière recyclable. Là, vous voyez, on est à 2000 et quelques. Là, on a 2700 et des brouettes. Et plus cette ville-là va grandir et plus surtout les voisines vont grandir, plus il y aura d'ordures à ramasser. Et ça, c'est une ressource qui ne se tarit jamais, les ordures. Voilà, hop là. Je sais pas s'il y a d'entretien voirie dans ces... Non, il n'y a pas d'entretien voirie. Ça va être notre deuxième poste de budget, c'est ça. L'éducation qui est le premier, bien évidemment. En même temps, c'est sympa d'avoir comme ça une ville... c'est un petit peu RP, vous voyez, d'avoir une ville basée sur l'industrie électronique et d'avoir en même temps l'université, les recherches, etc. C'est plutôt... Je trouve que c'est plutôt sympa. On est à 66 000 habitants, ce qui est beaucoup. Et on est aussi à 22 minutes de vidéo, ce qui signifie bientôt la fin. Ça grandit encore, c'est de loin notre plus grosse ville hein, pour l'instant, ce qui est normal parce qu'elle est basée sur des densités, enfin des... comment ? Ramassage scolaire, par train, ouais. Elle est basée, il n'y a pas de riches du tout, donc les densités sont beaucoup plus fortes dans les tours, etc. Là, on a vraiment un bon gros hub ici, c'est assez sympa. Pas de lieu d'envoi, ok. Donc ça a mis 25 ans à se construire, et finalement ça ne fonctionne pas. Je sais pas où on est au niveau de l'éducation. Ah ouais, là, ça passe bien. Niveau d'éducation, c'est pas mal. Niveau technologique aussi. Éducation, là, ça monte encore. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et là, normalement, vous voyez, ouais, voilà, ça tourne. Alors, je pense qu'on pourra largement pas la faire tourner en continu au début. Mais petit à petit, on va... Pendant... Voilà, là, ça va être le début, mais pendant... ça risque de régénérer des surplus et on les aura ici à force. Pareil, l'espace commercial est un petit peu loin. Mais bon, ça devrait quand même le faire. Hop là, moins 155 par heure. Ok, tout va bien, c'est normal. On passe comme ça du tout au tout. Tant qu'on est positif dans les transactions mensuelles, ça passe. Certainement qu'il y a une tour qui doit se construire quelque part, ou une usine qui est, voilà, une usine qui est en train de se construire, ou celle-ci qui bouffe aussi. Bon, ça va se rétablir. De toute façon, tant que vous voyez ici, on est dans. Je vous rappelle un épisode de Random City où j'étais à moins 10 000 ici, mais que je faisais énormément de choses. C'était ma ville où j'avais. Voilà, de toute façon, on va repasser dans le positif. Où j'avais, je ne sais plus. J'allais de l'extraction des ressources à la fabrication d'ordinateurs. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode que j'avais fait. Et on y arrive quand on produit des ressources à être négatif dans la balance horaire, mais à gagner quand même de l'argent. Prime progressive. Oui, ça c'est chiant. Ouais. Ça nous prend du coup 5000 euros à chaque fois. Faut y penser. 5000 euros. 5000, on va se mettre une couverture un peu moins forte, tiens. Une couverture à 30%, ce sera suffisant. D'ailleurs, c'est un petit peu inutile ce bâtiment. Hein. C'est juste une perte d'argent, mais je trouvais que c'était sympathique de le mettre quand même. Pourtant, donné qu'il était là et qu'il a le mérite d'exister. Bon, en tout cas, nos problèmes de. De transport, ça s'est un petit peu résolu. Par contre, c'est
9 navettes, c'est largement pas assez. Ouais, je peux pas te. Alors attendez, il y a comme un petit hic là. Voilà. Pas assez de Simflouz. Ok, super. Là, on va pouvoir améliorer la mairie d'ailleurs aussi. Je pense que j'ai tout placé dans la région. Hein. Tout est placé dans la région. Donc, hop, il n'y a que le petit panneau que je n'ai pas mis. Voilà. Regardez comment c'est beau cette densité commerciale parfaite. Super. Au moins de la valeur du terrain de richesse élevée. 0 sur 7 pour 75 millions. Ok. Cool. Cool. Hop. Là, on produit. Bon, on arrive. On a produit 500 caisses de processeurs. Voilà. Là, on arrive quand même à la faire tourner en continu, j'ai l'impression. Ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, avec une chaîne de montage, je pense qu'avec deux, ce serait impossible de la faire tourner en continu. On va continuer de surveiller ça. Mais je suis assez content. Je pensais pas qu'on arriverait à la faire tourner. J'ai l'impression qu'elle tourne en continu. 12 caisses par jour, 1200 caisses. Et on produit 24 000 caisses par jour et 24 tonnes. Donc normalement, ouais, on doit être potentiellement capable de la faire tourner tant qu'on a des matières recyclables. Et tant qu'on est alimenté en matières recyclables. Donc ici, on doit avoir des pros. Est-ce qu'on en a vendu des pros? Dernière chose qu'on va. Ouais, on a dû en vendre là. Voilà, 72 000. Et ça fait bien plaisir quand on a. Voilà, 72 000 qui rentrent d'un coup. 72 000 matières dangereuses. Alors normalement, j'ai un voisin qui doit me fournir ça. Il est ici. Il arrive. Pas pressé hein, quand même. Ah, c'est le capitaine des pompiers qui arrive. Voilà, bon bah écoutez, voilà. On va se laisser ici. Moi, je vous dis à la prochaine. En espérant que vous ayez kiffé grave cette petite vidéo. Voilà, merci à vous. Salut tout le monde.